Bonjour, j'aimerais vous dire quelques mots de l'ouvrage que je viens d'écrire pour les éditions RS, La philo au berceau. Le titre de ce livre, c'est d'abord le titre d'une rubrique que je tiens dans la revue Spirale depuis 2016. Au fil des années, je suis arrivé à 20 rubriques, La philo au berceau. Chacune de ces rubriques constitue donc un texte indépendant. À chaque fois, je pars d'une citation d'un philosophe qui évoque cette question de l'enfance. La citation est expliquée, remise dans son contexte, mise en perspective, pour souligner ses forces et ses limites. Ainsi, chaque chapitre de l'ouvrage, 20 chapitres, chaque chapitre est indépendant et on peut les lire dans l'ordre que l'on veut, au gré des idées que nous évoquent les titres de chaque chapitre. On peut aussi les lire dans l'ordre et on voit en fait se construire au fil des pages un discours sur l'enfance qui en fait quelque chose de complexe, sur lequel il n'y a pas qu'un seul point de vue possible. Ce discours ne réduit pas la question de l'enfance à un ensemble de recettes qui seraient censées être pratiques et efficaces. Au contraire, ces 20 chapitres sont autant d'éclairages possibles sur l'enfance pour montrer qu'il n'y a pas un point de vue privilégié et que ce qui nous aide parfois à faire face aux difficultés éducatives, c'est de voir les choses un petit peu autrement. Eh bien, nous pensons que cet ouvrage, La philo au berceau, permet de voir la situation dans laquelle nous sommes prises parfois un petit peu autrement, grâce aux paroles des grands philosophes. Chaque chapitre est ainsi associé à un philosophe. Et donc, au fil des pages, vous rencontrerez les figures de Kant, de Rousseau, de Simone de Beauvoir, de Sartre. Vous verrez que certains auteurs détestent l'enfance, comme Deleuze qui parle de dégoûtation de l'enfance. Vous verrez au contraire que d'autres l'idéalisent totalement en y voyant une poétique ininterrompue, comme Schopenhauer. Évidemment, aucun philosophe n'offre le bon point de vue sur l'enfance. C'est plutôt la diversité et la richesse de ces points de vue qui sont autant d'esquisses autour de cette question de l'enfance et qui permettent d'en dessiner la figure la plus juste, la plus riche, la plus belle. Nous vous invitons donc, à travers ces pages, à dialoguer avec les grands philosophes de l'histoire de la philosophie quand ils parlent de l'enfance, à voir avec eux ce qui est si fort et si noble et si important dans cette question de l'enfance. Cet ouvrage est le complément d'un autre ouvrage que j'ai intitulé « L'enfance, une grande question philosophique ». L'enfance, une grande question philosophique propose une approche par thème. La philo au berceau propose une approche par auteur. À eux deux, ils forment les deux versants d'une approche résolument philosophique de l'enfance. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture, une bonne découverte de la philosophie de l'enfance.